Quand vous faites la soirée, vous mangez ensemble, vous ne devez pas dire ce avec qui vous mangez. C'est comme ça chez vous là-bas. Mais j'ai dit, sorcier ne mange pas seul. Ok. Vous n'avez pas les balles. Tous les 13. C'est pas pour vous amuser. Un combattant, d'ailleurs, il a dit, c'est un homme. Il y a ça, non, non, là. Pour moi, les gens veulent m'initier gratuitement. Donc, totalement, ils ne connaissent pas totalement les secrets. Donc, non, je te comprends. Je ne veux pas dire le nom des gens. Je ne veux pas dire le nom des gens. Il y a un pas à quoi? Initié et être sorcier, c'est deux choses différentes. Tu dis, tu reconnais que tu es sorcier, c'est vrai? Gâtez-vous. Je sais, non, les gens, ils avaient bêté. Eh, monsieur, pardon. Tu dis, tu reconnais que tu es sorcier. C'est un batagan. Comme je mange, je peux dire que je suis sorcier. Moi, je suis sorcier, mange. Sinon, tu n'es pas sorcier. Quand on mange, tout le monde est sorcier. Hein? Donc, tu joues avec moi. Hein? Je ne joue pas avec vous. Hein? Je ne joue pas avec vous. Qui ne mange pas ici? Non, ne fais pas ta nourriture, ne mange pas ta nourriture. Mes amis, on a dit. On t'a forcé pour être ici. Je suis allé te tirer. Go fiole, je t'ai tiré. Je t'ai tiré. Quels sont ceux qui sont sorciers? Alors qu'à Goula, ça, il y a un peu de ici. Hein? Je t'ai dit, tu as tué combien? Quoi, ce gars là, il parle. T'as dit quoi? Bien sûr. Alors? C'est pas sorcellerie. Alors, mais c'est comme ça. Je t'ai dit, donne-moi le nom des gens que tu as tués. Et tu as réussi à dire le nom des gens. Est-ce que je connais ces personnes-là? On est moi, il. Je les connais. Non. C'est moi qui les ai dans ta bouche. Non. Mais pourquoi tout à l'heure tu as commencé à te rétracter? Pourquoi? Oui, il est bien beaucoup là. Et sur le venu, on est les guillemets, il y a beaucoup. Tu as peur que je te dise, non, dis le nom des gens. Non, tu ne diras pas le nom des gens. Parce qu'ils ne sont pas dans un village. Tu vas aller dire telle personne, telle personne, telle personne. Parce que c'est ça, de ça tu as peur. Tu ne diras pas ça. Le On mange ensemble. Non, qu'est-ce que tu veux? Il y en a une battre là. Ma libération. Ah! On a commencé, tu as commencé à te jouer. On a abouti, ben t'as venu me mener dans la vie. On a avancé dans les avées, toi tu jouais ça. On mange ensemble. Pourquoi vous les sorciers là, vous êtes la même chose? C'est-à-dire, tu as gâté quoi, toi, vie? Toi, vu, toi, mais il était où là? On a bloqué le village. Toi, tu as gâté quoi? Le terrain, plus sur le marché. Faut bien expliquer. Quel terrain? Sur le football. D'où? De toi, comment tu as gâté ça? Je suis parti chier de là. Ah! Comment tu chies sur ce terrain? C'est comme d'habitude. Mais frère, allez. C'est lui qui dit rien. Quand j'ai eu ma baisse là, c'est le caca sort. C'est lui qui dit quoi? Il a dit, il ne faudra pas que le terrain, les gens viennent jouer là-dessus. C'est tout. Si on joue là, ça fait quoi? Moi, c'est l'esprit, c'est l'esprit. Comme ça, tu gagnes? Oui, il gagne. C'est l'esprit qui détruit. Mais qu'est-ce qu'un terrain t'a fait? Un terrain, quand j'allais avec toi, tu ne peux pas te contrôler. Tu ne peux pas te contrôler. C'est ça qu'on a fait de vous délivrer. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous maîtriser? C'est ça que c'est dangereux. Tu vas pas vous délivre. Tu vas pas vous délivre parce que vous ne pouvez pas vous maîtriser. Non. Quand l'esprit veut manger, ça marche. Toi-même, tu n'es pas maître de ta volonté. Tu as compris? C'est pour ça que nous combattons cet esprit. Et tu as gâté quoi encore? Le marché. Un marché. Comment tu as gâté le marché? C'est la même chose. Je sais pourquoi je commence par les aveux. Pour vous montrer comment c'est dangereux et pourquoi nous devons les combattre. C'est pour ça que je commence par les aveux, parce que tout à l'heure, nous allons lever contre eux. Sauf qu'il y a l'habitude de commencer la fin, mais je sais pourquoi je commence sans ça. Le cabinet a abouti, ils avons besoin. Regardez ce que nous. Comment tu as gâté le marché de Douaville? Douaville a gagné la fin de la roue. Je suis parti chier dedans. Ah, toi, tu es spécialiste en chier, moi. On est mieux, on est mieux, on est mieux.
Oh, c'est ta spécialité. Oui. C'est l'âme que tu as séchée. Oui. Comment tu fais? Je m'appelle toujours. Et je parle que ça sort. Ça parle, ça sort. Et tu dis quoi? Il ne faudra pas que ça ait ça réussi. Le marché. Oui. Ça t'a fait quoi? Si marché, il y a marché à toi. Mais toi, tu ne peux pas voir les choses, tes parents ne peuvent pas. Si c'est moi-même, je suis content, mais avec la soutenirie, l'esprit là. Ton esprit là, ça te pousse. Oui. Comment faut expliquer? Tu n'as pas de volonté, tu ne peux pas dire non. C'est une puissance qui joue à moi, que moi, je ne peux pas maîtriser. Donc, ça gâte. Ça gâte quoi? Le marché. Oui, il n'y a pas le marché. L'autre là, c'est en général, le village. Il faut parler en général le village. C'est quoi? On a bloqué ça. Pour ne pas que ça évolue. Je comprends. Donc, on est nombreux. Vous avez bloqué le village. Oui. Je fais partie des gens qui ont bloqué le village. Oui. Vous avez mis le village où? Dans la montagne. Dans une montagne. Dans un caillou. Yogi. Pas toi qui va se développer. Non. Toi, tu n'es pas enfant de Douaville. Mais non, je le suis. Et si ça se développe, toi, tu ne vas pas être béni. Je serai béni, mais la saisonnerie n'aime pas la bénédiction. Hein? La saisonnerie n'aime pas ça. La saisonnerie n'aime pas bénédiction. Il est contre. Comment ça? La saisonnerie, quand tu as ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut bien l'expliquer. La saisonnerie, là, une fois que la personne est là, tu es jaloux de lui. Ah bon? Quand il est un peu. Donc, quand tu donc quand quelqu'un quelque chose, tu es jaloux. Oui. La saisonnerie. Comment explique? Ça peut dépendre quand tu es jaloux. Quand ça se manifeste, tu peux plus te maîtriser. Et tu vas contre lui. C'est pas toi-même ta personne, mais l'esprit qui est là. Tu as programmé les gens. Pour de la quoi? Oui. Il faut dire le nom des gens qui sont programmés. Quoi encore? À quand moi, je vais parler. Yahweh Marie. Yao Jean, Pebo. Lobaya. Bado. Tokubi. Qui doit mourir en décembre? Bré. On est de vous. D'où est Bré? Qui ça? D'où est Bré? C'est quel nom? On est de Gouinilouka. Simio. Ah, c'est Simio qui est doit mourir. Simio. C'est lui qui est mort. C'est son frère. Oui, c'est mon grand frère. On vous a dit. C'est lui que tu veux manger? Je ne suis pas le seul. Quand il dit le nom des gens, on va avoir problème avec ça tout de suite. Oui. Oui. Il t'a fait quoi? Yannouala. Il était étudiant. Non. Yannouala. Il me doit de l'argent. Pas besoin de disponible. Ah d'accord, il fait quoi? Il me doit de l'argent. Combien? 100 000. Déjà 100 000? Oui. Oui, explique. Il était étudiant. À ce moment, il travaillait à Abidjan. Qui travaillait à Abidjan? Moi. Ouais. C'était un chauffeur. De qui? Des Japonais. D'accord. Et il venait du Canada. Ah, lui, il revenait du Canada, oui. Voilà. Il venait pour faire ses dossiers. D'accord. À ce moment-là, les Japonais m'avaient laissé les véhicules pour voyager. D'accord. La semaine-là. On s'est encouragé. D'accord. Il dit que je suis venu faire mes devoirs. D'accord. Je vais faire ça avec toi. D'accord. Et il a fait avec moi. Voilà la semaine, toute la semaine. Il a fait toute une semaine avec toi. Oui. Et puis, il est parti. Oui. De retour, il est venu. Il dit, je vais te donner du travail. D'accord. Mais pas attendre. D'accord. Il attendait. D'accord. Il est venu me prendre. À ce moment, il y avait une femme blanche. D'accord. Il est venu me prendre. D'accord. J'ai roulé avec lui pendant un mois. Ah, toi, tu étais son chauffeur. J'étais devenu son chauffeur. Ah, tu es devenu son chauffeur. Ok. Là, la femme avait voyagé sa femme blanche. D'accord. Donc, il dit, je ne peux pas te payer. D'accord. Et c'est de la chose, comment après, là, tu travailles, tu es donné. D'accord. Jusqu'à un an encore, il m'a appelé. La femme a voyagé. Tu as fait combien de temps avec lui? J'ai
fait deux mois. Ça fait deux mois de boulot avec lui. Voilà. Sans salaire. Oui, sans salaire. Mais il t'a pas promis un salaire? Il m'a pas promis. Il dit, il m'a promis du travail. C'est le travail qu'il m'avait promis. Et qui te payait? Il ne me payait pas. Ah, d'accord. Quand on finit, quand la femme vient, elle revient, il m'a vu à la maison. Ah non, quand la femme va, c'est là, tu n'es pas là. Non, non, je ne suis pas là. Parce que moi, j'étais chômeur. Maintenant, deuxième fois, deuxième année, la femme a voyagé encore. Il est venu me prendre. Un mois, j'ai roulé. Je dis, maintenant, la femme est revenue. Je vais te donner du travail. Et le travail, ça ne venait pas, ça ne venait pas. Et puis, il m'a appelé dans son bureau. Il dit, ah, comme le travail ne marche pas, je vais te donner quelque chose ou quelque chose. Je vais te donner 100 000. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un. C'est entre nous deux. J'étais tellement content. Je lui dis, ah, si je n'ai pas eu de travail, maintenant que tu me donnes 100 000, c'est comme ça égal à mes deux mois. Il m'a dit de ne pas dire ça à quelqu'un. Quand il est quitté à la maison, il est allé dire à sa maman. Je vais au village, je trouve l'affaire là, au village. Il dit que Dieu dit, il va te donner 100 000. Il dit, qui vous a raconté? On dit, c'est sa maman. Aïe! La fille dit que c'est un secret. C'est ça, lui, il est allé dire. Il m'avait dit, si tu dis ça, ta soeur, il ne peut pas te donner. Il va te donner. Et c'est lui qui est allé dire, si c'est sorti. C'est vraiment, ça ne m'a pas plu. Ça fait plus de 25 ans, je crois. Et pourquoi c'est plus, c'est cette année que je vais le manger? C'est la souvenirie quand. Mais quand il vient de la caisse, il accepte, il ne me donne pas. Ah, il reconnaît. Il reconnaît. Mais il ne te donne pas. J'ai envoyé deux autres personnes là-bas. Il dit pourquoi il envoie quelqu'un derrière lui. Si je veux, c'est pas me mettre en prison. J'ai souffert juste à demander lui à lui. Si vous revenez au village. Si tu me donnais ça là, il y avait quand même le tépané avec. Et je lui avais dit, tu n'es même pas dire qu'il va aller bouffer ce carré-là. Fais-moi deux parties de ça, quelque chose de top. Puis je vais faire une petite maison. Il y a encore deux autres personnes qui ont dit, je ne lui dois pas. Si tu dis que tes enfants, je vais le mettre par la maison. Mais comme, si tu as un esprit derrière toi qui est mauvais, tu ne sais pas quel jour sera agi. C'est pour cela que ça va se passer cette année. Mais est-ce que sorcier a une raison? Est-ce que quand vous voulez tuer les gens, c'est une raison? Pas des raisons, parce que. Est-ce que les autres que tu as mangé là, est-ce que tu devais? Ce que tu as mangé là, est-ce que ces personnes ont été devaient? Non. Hein? Non, ça c'est la jalousie. Hein? Ça c'est la jalousie. Mais donc c'est pas une raison. Il te doit, à cause de ça, tu es le moyen. C'est pas ça, c'est même pas une raison. Mais si tu as une chose comme un mauvais cœur, tu as dit comme un mauvais esprit, et juste si tu es fâché, la façon de. Il a ouvert 2-5 ans, c'est maintenant que tu veux le manger. À ce moment-là, il était à la tente. Ah, tu attendais toujours. Voilà. Il dit, il faut se patienter, patienter. C'est dans ce temps qu'il a refusé. Oui, il a refusé. Mais lui, c'est quand même une personnalité. Hein? C'est quand même quelqu'un qui est bien, qui est quand même grand, à Douaville et tout ça. Mais toi, c'est lui que tu veux manger. Là, je suis souvenu, je n'ai pas toujours des grains. Et comment t'as le tuer? Non, là, pour le moment, il... Pour le moment, il ne savait pas comment il va le tuer encore, mais on l'avait mis comme on l'a fait dans une clôture. Oui, mais dans une clôture. Non, tu as réussi à l'attraper, mais même en clôture. Et pour mettre quelqu'un dans la clôture, celui de l'attraper. Comment t'as réussi à l'attraper? C'est comme mon mec qui l'a fait. Eh, monsieur, pardon. Je venais. Comment t'as pu le prendre? C'est ça, je l'ai fait là. Vous avez grabé, il n'a pas cru. J'ai parlé. Voilà. Et j'ai dit, tu me dois toujours, puis tu ne t'arrêtes, tu ne me donnes pas. Cette fois-ci là, tu ne peux pas citer en bas de. Mais comment tu l'as trouvé où? Il est parlé, il est venu au village. Il est venu au village? Quand? C'est le jour-là qu'on est parlé, il est venu au village. C'est l'être ici qu'on l'a accepté. Je comprends. C'est l'être ici qu'on l'a accepté. On l'a attrapé. Quand tu as parlé, il est venu physiquement au village. Il est venu. C'est quand il est venu au village, là la nuit tu l'as attrapé. Il est venu pour me parler, je lui ai dit que moi mes saluts j'ai refusé. Ah d'accord. C'est l'être ici. La même nuit, il l'a frappé. Oui. Et tu vas le libérer? Oui. Non, tu es obligé de le libérer.
Les gars, ils ont dit, oui. Et les hommes que tu as programmés doivent les libérer. Oui. C'est pour cela que je suis là. C'est Dieu qui t'a envoyé ici. Oui. Pour libérer toutes ces personnes. Oui. Allez vous asseoir, tout à l'heure on va prier. Il faut les laisser. Il faut les laisser. Parce que toi, Seigneur, là, c'est quelqu'un qui a des bonnes pensées pour toi. Mais vous priez pour moi, pour mon prophète, pour que le mauvais esprit qui est à moi, qui se dégage. Tu es à mon terminus. Amen. Ici, là, c'est très bien. Amen. Oui, tu es arrivé là, tu es obligé de laisser. Amen. Sinon, toi, tu seras mangé par ta confrérie. Je permets que ta confrérie te mange. Je vais laisser. Tu es obligé de laisser. Oui, tu es obligé. Amen. Allez vous asseoir. Après, on va passer. Monsieur, allez vous asseoir. Tenez-vous debout, nous allons prier. Quand je fais pour la prière, vous faites écouter les aveux avant la prière. Vous montrez comment de pouvoir se passer la sorcellerie. Vous allez faire ça, vous vous priez. Amen. Amen. Yeah, 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 yeah. Il y a plein de choses dedans. Il y a plein de choses. Oui, bien, il y a vivant, quand il y a. Mais il est quelque part enfermé. On attend une date pour le manger. Allez, tu es là quelque part et tu es enfermé. Mais spirituellement, quelqu'un t'a enfermé. Dans une prison. Il fait de toi cabri. Amen. Il a fermé quelque chose en toi. Il t'a peut-être programmé à mort. Allez mourir. Amen. Amen. Ce qui a été fait chez toi. Amen. Toi-même, tu vas parler. Oui, on va déprogrammer ça dans le nom de Jésus. Amen. 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 On dit amen. Amen. Je vais voir tout le monde prier cette nuit. Et là, il y a quelqu'un de vous. Et il est là quand. Et il est là quand on n'a pas mot à
shout out. Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? Qu'est-ce que tu as gâché? Tu as gâché quoi dans sa vie? Elle ne va jamais s'entendre avec les gens et puis elle ne va jamais se marier. Elle ne va jamais s'entendre avec les gens? Oui. Elle ne va jamais se marier? Oui, elle va pas faire enfant. Ah bon, tu es jaloux, hein? Oui. Tu t'appelles Abou? Oui. Tu comptes tu as un nom? Oui. Tu as quitté où pour entrer dans sa vie? Je vais quitter sa vie. Non! Le feu est sur toi. Non! 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 Le feu est sur toi. Non! Le feu. Je veux pas. Le feu est sur toi. Non! Si. Si. Lâche-la. Yeah!
Comment t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Je viens de Dakar. Tu es venu ici avec qui? Merci là-bas. Oui, mais c'est qui? Ça va être tout bien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ils étaient 10, mais il y a un qui est là. Touche la partie de ton cœur. Il y a un qui est là. Tiens! Allez! C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Tu vas partir. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Ah, parce que c'est délivré. Mais il faut avoir le discernement. Lâche-la. Tu vas partir. Quand vous faites la délivrance, il y a forcément un esprit qui est le maître des lieux. Il sera vraiment difficile pour lui de partir rapidement, de céder. C'est comme un capitaine dans un bateau. Quand le bateau commence à faire naufrage, tout le monde va dégager. Mais le capitaine, oui, c'est comme ça l'esprit. Tu vas partir et tu vas lâcher ta vie. Yeah!
infini. Ça va? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Allez, allez. Ça va? Ça va? Où est Jésus? Jésus. Amen. Dieu est dans ma vie. Dieu est dans ma vie. Le diable n'a plus de pouvoir sur moi. Le diable n'a plus de pouvoir sur moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Et fais de moi. Et fais de moi. La personne. La personne. Que tu désires. Que tu désires. Que je sois. Que je sois. Pardonne tout mon passé. Pardonne tout mon passé. Et merci de m'avoir accepté. Merci de m'avoir accepté. Amen. Amen. Encore une bouteille d'eau minérale. Vous n'avez pas, d'eau minérale. Ouh là là. C'est pas tout le monde qui va monter là. Hein. Oh, pardon. Il y a l'esprit de mort. Il y avait le démon qui était assis là. Cet esprit est venu s'asseoir dans la chaise. Il y a l'esprit de mort qui est en train de. Qu'est-ce que ça veut?